Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur comment il s'appelle déjà Rumbleverse. On est sur PS5. C'est un jeu épique. C'est sorti, je crois, vers le 11-12 août, un truc comme ça. Je me suis absolument pas renseigné sur le jeu, sur comment ça se joue, ça, voilà. Donc je sens que cette vidéo, elle va durer 5 minutes et que ça va être terminé. C'est pas grave, c'est une vidéo en attendant Saints Row que lui j'attends. Alors on a, comme d'habitude, un pass combat avec des machins qu'on peut acheter et tout ça. Ok, on a un vestiaire donc. Pour changer la tenue de son perso. Perso que j'ai absolument pas. J'ai absolument pas changé. Hein. On va regarder un petit peu, on va faire ça par exemple. Enfin, j'ai absolument rien contre les persos de couleur, mais bon, c'est pas vraiment ma couleur à moi. Moi je suis plus comme ça maintenant, malheureusement. Je bronze plus beaucoup à cause d'un problème de peau, je bronze qu'à certains endroits. Donc on peut changer les sourcils, d'accord, mais on peut pas changer la touffe de cheveux. Bon, allez. Oui, on va sauvegarder les changements. On peut changer les émotes. Ah, d'accord. Donc, après, il y aura des coupes de cheveux, mais. En gros. Donc, après, bon, il y a une boutique. Carrière, en gros, c'est des trucs. Ouais, en gros, ça. Répertorie vos trucs, défis, machin. Bon, écoutez. On va faire Battle Royale solo. On va voir combien de temps ça met à trouver une partie. Je sais pas s'il y a du monde sur le jeu. Je sais pas, voilà. Et puis, bah... On va se tester ça tranquillement. Ça sent pas la grosse vidéo quand même. Hein. À mon avis. Je vais me faire éclater vite fait. Après, là, si ça met trop de temps, je vais faire une coupure. J'espère que ça va marcher jusqu'au bout cette fois. Putain, 4 minutes la première fois. 1 minute 10 cette fois. C'est quoi ça? D'accord, donc on va se taper avec des armes. Putain. Ouais, je vais partir sans arme. Comme dans tous les Battle Royale. Évidemment. J'ai pas d'armes du tout. On va ramasser ça. On va vite se tirer de là. Putain.
On va essayer de se remettre en état. Non, putain, l'enculé. Ah, j'ai plus beaucoup de vie. Et puis alors là, par contre, je ne peux rien faire. Là, il est en train de m'enchaîner, je peux rien faire. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où... J'avais beau appuyer sur les boutons, j'étais coincé, je ne pouvais rien faire. Bon, après, ça peut être sympathique. Je pense quand on commence à comprendre un petit peu les mécaniques du jeu, tout ça... Quand on sait faire tout ça. Vous voyez, là, lui, c'est pareil. Il se fait éclater. Je suis sûr qu'il a rien pu faire. Bon, après, comme je vous avais prévenu, hein, la vidéo va pas durer longtemps. Je vais être complètement nul. Avec tout ce que je dois couper en plus. Vu le temps du matchmaking pour trouver des matchs. Soit leur matchmaking il est encore un petit peu pourri. Soit il n'y a pas grand monde. Mais j'ai l'impression qu'en plus on joue avec des joueurs PC. Et là il y a des manettes aussi. Alors, est-ce que c'est des joueurs PC avec des manettes? Ou est-ce que c'est des joueurs Xbox? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des petits PC aussi. Donc, vous imaginez, on est cross-platform et on galère au matchmaking. C'est quand même pas normal. Si vous entendez miauler, c'est rien. Ça fait pas partie du jeu, c'est chez moi. Il me dit en cours de placement, mais c'est pareil, hein, ça va durer des plombes encore, et puis ça va rien placer du tout. Ah. Alors. Vas-y, il est fou, lui, lâche-moi. Là, maintenant, en plus, ça n'a aucun intérêt, à part m'empêcher d'aller là-bas. Bon, après, en même temps, c'est un peu le but aussi, hein, de m'empêcher de partir avec une arme. Putain, culé. Bon, ça, vous voyez déjà, c'est un truc un tout petit peu saoulant. À rien, mais ça m'a fait plaisir de te niquer avant qu'on parte. Bon. Quand vous voyez, à partir du moment où vous prenez un coup, putain, pour pouvoir vous défendre, c'est compliqué, hein. Buter encore.
Alors il suffit qu'en plus, ouais, il joue en duo, par exemple, parce qu'on peut faire ça. Après là, ça m'étonnerait que ce soit possible. Ah. Bon, terminé. J'ai un écran noir là. Je sais pas ce qui se passe. Je me suis fait éclater. J'ai eu un écran noir, alors je sais ce qui s'est passé, c'est ma barre de son qui s'est coupée. Bon bah écoutez, ça a été une catastrophe encore une fois. Hein. Fallait s'en douter, bon vous avez compris le principe du jeu, ce sera pas une grosse vidéo. C'est vraiment en attendant la vidéo de Saints Row pour pas laisser 9-10 jours sans vidéo. Je me suis dit pourquoi pas essayer ça. Moi la grosse vidéo qui va arriver c'est plutôt celle de Saints Row, c'est le jeu que j'attends. Je sais pas encore quand est-ce que je vais vous la faire, ça dépendra quand je vais recevoir le jeu, parce que la semaine prochaine il sort lundi normalement. Je bosse de l'après-midi, donc même si je l'attends le soir, bah, du coup elle sera en ligne que le lendemain. Donc je sais pas si on fait une simple découverte, si j'avance dans le jeu, si... j'en ferai peut-être deux des vidéos. On se fera une découverte, puis après on en refera une autre, un petit peu plus loin dans le jeu. Mais bon, écoutez, ça, je vous laisse le soin de l'essayer si les Battle Royale, tout ça, c'est, ça vous plaît. Je trouve que du coup, c'est un petit peu plus, comment dire, original. Parce que là, on se bat vraiment genre à main nue. Avec des chaises, des battes de baseball et tout, vous l'avez vu. Et pas avec des armes à feu, des constructions, etc. Donc, pourquoi pas, écoutez. Moi, c'est pas trop mon délire, c'est pas un truc auquel je vais beaucoup jouer, mais au moins, j'ai essayé. On a pu voir ce que ça donnait, c'est disponible sur toutes les plateformes, normalement peut-être pas sur Switch, je sais pas, j'ai pas vérifié sur Switch, mais normalement c'est disponible un peu partout. Donc écoutez, on se retrouve dans quelques jours pour Saints Row, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.